Ah, la maladie. Les gars, avant de démarrer, on remercie Kalos qui nous aide une fois de plus sur cette vidéo. Donc Kalos, on vous en a déjà parlé plusieurs fois, c'est cette marque française qui fabrique différents produits avec des valeurs qui nous plaisent beaucoup. Vous allez retrouver chez eux une large gamme de vêtements, que ce soit des suites, des chinos, des t-shirts et même d'autres choses. Tout est made in France, je vous invite vraiment à aller voir parce qu'ils ont une large gamme de produits. Vous allez aussi retrouver le couteau de l'armée française disponible en différentes couleurs. C'est un couteau que j'aime beaucoup, qui est très solide et qui est surtout très léger, avec le petit tire-bouchon qui fait quand même la marque française. Donc vraiment un couteau que je vous conseille. À côté de ça, vous allez aussi retrouver les gants de boxe. Donc gants de boxe en cuir qui sont vraiment jolis, vraiment sympas. C'est dommage que Clément soit pas là parce qu'on aurait pu vous faire une démo. Mais malheureusement, il n'est pas venu. Ce sont des gants qui existent en version boxe ou en version MMA en fonction de votre discipline. Et vous allez même retrouver un pack qui combine les deux et d'autres accessoires. Et enfin, chez Kalos, vous allez retrouver leur gamme de bijoux. Je vais vous parler notamment du dernier sorti, le pendentif Fides, qui est une croix que vous allez pouvoir trouver en matière argent ou or, vraiment très jolie, qui est fabriquée comme d'habitude chez l'artisan joaillier lyonnais. Donc vraiment que des beaux produits, des choses qu'on est fiers de vous présenter. Si ça vous intéresse, vous avez toujours notre code promo. Je vous invite vraiment à aller faire un tour sur le site et on passe à la vidéo. Salut les gars, aujourd'hui retour de la science et on va vous faire des expériences. Vous savez que le plomb n'a plus le vent en poupe pour les cartouches, donc nous on s'est dit par contre on va bien pouvoir le remplacer. Et aujourd'hui, on a décidé de tester tout et n'importe quoi dans du calibre 12. Donc, on va vous montrer au fur et à mesure. Il y a pas mal de choses. La dernière cartouche, on vous dira ce que c'est qu'à la fin. Mais normalement, le fusil ne s'en sortira pas. C'est un vieux calibre 12 que j'avais acheté sur un tir à balles il y a déjà longtemps, qui coince de partout, qui est une horreur. Malgré que Clément l'adore. C'est mon monocoupe préféré. C'est ton monocoupe. Bah, c'est son fusil préféré. J'ai fait une belle victoire avec. C'est quoi qui te plaît le plus? C'est le confort ou la précision? C'est le tout. C'est tout, c'est un ensemble de choses. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est sûrement son dernier jour. Donc on va tirer sur des petites planches de pain à chaque fois. On va démarrer avec les trucs qui font le moins de dégâts. On finira avec les cartouches qui font le plus de dégâts. Et il y en a qui vont faire beaucoup de dégâts. Et on va démarrer avec une grenaille comme cartouche témoin. Parce qu'ici c'est vraiment scientifique et il nous faut un témoin. Pour l'occasion, on a créé un banc d'épreuves. Le banc d'épreuves de la gauloiserie. Si jamais vous avez des carabines à faire tester à Saint-Etienne, que c'est trop long, n'hésitez pas à nous les envoyer. Ici, les délais sont courts, c'est 5 euros le test. Et ça passe tout seul. Je demande. Grenaille. Donc, ça, c'est une grenaille normale, comme ça, on va pouvoir voir un peu ce que ça fait. Et tester ce système de traglerie digne des meilleurs bullpep. Là, j'ai un peu peur parce que si jamais je tire, tu tords un peu la ficelle. Touche pas la ficelle, là. Hein. La ficelle est d'occasion parce que c'est tout ce qu'on a. Donc, comme d'habitude, on a monté la barricade parce qu'évidemment, il y a un risque de ricocher. Et on a mis un godet pour récupérer tous les projectiles qu'on va tirer. Et un godet pour ne pas mourir. Mise en tension. 3, 2, 1. Oh, le danger du bordel. C'est la meilleure idée qu'on ait. Oh, il est revenu. Oh, le bruit que ça a fait. C'est un canon, le bordel. Bon, bah ça, c'est la grenaille. Ce sera la planche témoin. Donc, évidemment, la grenaille, c'est plutôt efficace. Premier test à la grenaille. Ce sera exposé dans un musée, bien sûr. C'est la science. Ce sera mis dans un classeur, rangé. Dans nos locaux. Faut savoir qu'on est planqué parce que comme les cartouches elles ont été rechargées avec différents trucs, les pressions ne correspondent plus à ce qui est prévu. Et 100% de ce qu'on va tirer est évidemment moins lourd que le plomb. Donc normalement il y a moins de danger. Puisqu'en fait le risque c'est qu'il y ait moins de pression et du coup que ça sorte moins vite ou que ça génère moins de pression. Mais dans le doute on a quand même fait un truc en sécurité. Et on a choisi des cartouches de ball trap parce que c'est des cartouches qui de base sont aussi à faible pression. Donc ça permet de minimiser les risques. Quoi qu'il arrive, la dernière, elle sera pas à faible pression. C'est de la compote. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est bon? Vas-y, feu. 3, 2, 1. Oh, il y a eu zéro recul. Si, elle est là. Regarde, là, c'est la bourre qui est arrivée là. Mec, regarde. Il y a une flaque de compote.
Jamais on a fait rouler une pomme si vite. Oh, le résultat un peu décevant. Ouais, la compote, c'était sûr. C'était pour avoir un truc un peu liquide. Bah maintenant, du coup, vous savez, si vos gosses, ils sont en retard à l'école et tout, vous voulez leur filer le goûter rapidos, ils ouvrent la bouche, un coup de compote, et c'est bon. Ah, saucisson. La saucisson. Comment j'ai fait ça? J'ai découpé un saucisson à la taille parfaite pour faire un slug. C'est la saucisse slug. 3, 2, 1. Oh là 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 là. 3, 2, 1. Il y a un truc qui va pas. 2, 1. Non. C'est bon. Allez, le saucisse 3, slug. 2, 1. La bourre qui arrive juste à côté. Oh la vache. Oh la vache. Mec, c'est archi violent la saucisse. Ça a pété le morceau de bois. Ça, messieurs dames, c'est un morceau de saucisson, hein. Je tiens à le préciser quand même. Il reste pour tirer du sanglier, avec du sanglier, tu vois. Il y aura bien un mec dans les commentaires qui dira tu tiens mal le marteau. C'est sûr. Qu'est-ce qu'on tire là? Du riz. Du riz. On continue notre petit plat. Donc là, vous venez de mettre un coup de saucisse dans le saladier. Il faut un accompagnement. Un peu de glucides, on va mettre un coup de riz. Cette vidéo est sponsorisée par Oncle Ben. 1, 2, 3. Il y a tous les morceaux de riz qu'on sortait partout. Eh, ça marchait fort, ah, ça. Putain, ça marche fort, ouais. Putain, le riz. À ton avis, ça fait plus ou moins de dégâts que le blé. Moi. Le blé, ça doit être plus dur encore. Ouais. On passe au blé pour tout de suite pour voir. C'est que des traces, ça fait pas du tout dans le bois. Ah, il s'est pas incrusté. Un petit peu, si, il y a quelques petits. À mon avis, tu prends ça dans la joue quand même, ça doit fouetter. Ouais. Bah, de toute façon, la partie centrale, ça a quand même bien passé. On passe à du blé, pareil. Dans quelles circonstances on tire du blé? Le semoir est en panne. Il te reste toute une zone à semer. Tu as quand même pas semé à la main. Est-ce qu'on gardera les 250 grammes mètre carré là? Bah, t'en mets 250 grammes par cartouche et puis tu tiens. Tu prends un 12 en full automatique. 3, 2, 1. Putain, c'est revenu. Ouais, ça revient. Heureusement que c'est du blé quoi. Ah là, mec, ah, là, ça rentre dans le bois. Ouais. Vous voyez des grains de blé? Ils sont exterminés. Bah, on voit des petits morceaux dessus. Hein, mais... À mon avis, du sel. Hein. C'est du gros sel de cuisine en fait. Donc on en revient pour faire cuire notre riz. C'est ça. Pour vous avez mis votre saucisse. Vous avez mis votre riz. Vous goûtez un peu fade. Cuillère de sel. Ça, c'est vraiment la tradition française, la cartouche de gros sel quand même, les grands-pères. Quand ça sécurisait les poules à l'époque. Ouais. Allez, 3, 2, 1. Oh, vache. Oh la vache. Celle-là, elle est partie fort. Elle est partie fort, celle-là. À mon avis, le sel, ça fait beaucoup plus de pression. Hein. Oh, vache. Et c'est, le sel est incrusté dans le truc. Bon, bah, les poules sont sécurisées. C'est assaisonné. Oh, c'est tout propre. Il est propre, celui-là? Ah non, c'est plein de merde. Ah non, c'est vraiment plus de merde. Ah, j'ai pas regardé encore. Mais ça va, c'est que le bas, en fait. Bah évidemment, à chaque fois, il y a de l'un brûlé parce que comme c'est pas la base d'origine, toute la poudre doit pas forcément brûler. Donc le fusil est vraiment dégueulasse. Donc vous vous demandez des tutos pour nettoyer une arme. Un coup de grenaille. Comme neuf. Nickel. Mise comme tout. C'est parfait. Bah alors, on reprend l'histoire après avoir bien mangé autour du château. Ouais. Là, vous avez mangé. C'était très bon. Le chat, on veut sa part, évidemment. Hop, on va lui fournir sa part. Oh, oh la vache. Oh, elle est pulvérisée. Ah non, elle a sauté. Mais mec, c'était une cartouche de croquettes, ça, t'es sûr? C'était les clous. Il a tiré les clous, le con. C'était les clous. C'est pas vous qui les avez mis, hein. C'était les clous. Oh, c'est pour ça que ça a tapé si fort. Mais je me suis dit, ça a tiré drôlement fort pour des croquettes. Mec, les clous, c'est une violence. Oh là là, pareil. Pour la chasse aux petits gibiers à plumes. Oh, il y a plus rien à bouffer après. Ça, bah, il y a des clous à bouffer. Vous voulez nourrir le chat, malheureusement, vous avez mis une cartouche de clous. Donc là, on va nourrir le chien, du coup. Parce qu'il n'y a plus de chat. Voilà, normalement, c'est moins violent. Ok. 3, 2, 1. C'est reparti, là. Ah, c'était archi pas violent par rapport à avant. Ah, bah oui, là. Ah, il y a des toutes petites traces, mais. C'est une des moins puissantes qu'on ait fait. Ouais. Les croquettes. Croquettes du chat, pas terrible. Pas très puissant. Le chat est nourri, l'étagère est réparée. Vous vous dites, par contre, il y a un petit trou sur la terrasse. J'allais me faire une petite lichée de ciment. Je sais pas comment ça va rendre, ça. Ah, moi, je pense que ça va partir en poussière. Ouais, ça risque de rebondir un peu s'il y a de la petite caillasse. Mais... Je pensais que le sel ferait rien. Et le sel a été quand même costaud. On va peut-être se planquer quand même, là, non?
C'est bon? Ouais. De toute façon, la caméra elle peut crever que t'en fous. Ouais. 3, 2, 1. Oh! Oh la vache! Ah oui, mais ça va. Ah si, c'était, c'était costaud quand même. Ah, il y a du dégât de ouf. T'as vu le trou? Ouais, c'est les cailloux. C'est des gros morceaux. Ça fait plus de dégâts que ce que je pensais. Hein. Mais tu vois, je m'attendais à beaucoup moins. Verpiller maison, hein, je tiens à le dire quand même. C'est vraiment léger par contre. Hein. Ah, j'ai peur qu'on soit déçu celui-là. Mais il y a des gros morceaux de verre dedans. Y a des, en fait, j'ai mis les morceaux suffisamment gros pour que ça fasse de l'impact. Uh-huh. Mais suffisamment petit pour que ça reste assez dedans. Mais je sais pas du tout ce que ça va donner ça. On dirait vraiment, j'ai posé une bombe. C'est un peu ça. Là, je vais me foutre là-dedans celui-là. Ah, là, c'est du verre, faut pas prendre d'éclat. Ah ouais, attends. 3, 2, 1. Oh, c'est un les morceaux de verre qui ont pété partout. Il y avait des éclats, ouais. En vrai, ça ressemble aux dégâts du blé et du riz. Hein. Ouais, ouais. C'est un peu le même principe, là, ouais. Sauf que là, ça, la différence, c'est que tout est affûté comme des rasoirs, là. Le blé, c'est un peu plus hardcore que ça. Ouais, le blé, c'est vrai que c'était plus fort. Faut savoir que si ça fonctionne, je pense que ça va être la nouvelle cartouche de braconnage national. Parce que ça, ça laisse pas de traces. Oh non, le sanglier est mort, il a pris un caillou à 1500 km/h. 3, t'es prêt? 2, 1. Oh, ça t'a pété fort, là. Là, ça a pété fort. Oh là là, c'est une chambre routine. Bah, c'est un peu ça, ouais. Ah mec, attends, c'est de la planche en pain quand même, c'est pas un mou, hein. C'est rentré dedans, quand le pont sera interdit, chargé au caillou, quoi. Bah, ouais. On se disait bien que notre cartouche aurait sûrement paniqué le fusil, mais on voulait quand même finir en beauté. J'ai chargé cette cartouche. Donc je vous expliquerai pas trop comment on a rechargé les cartouches, parce que sur YouTube c'est interdit. Mais en gros, celle-là, on a retiré tout ce qu'il y avait dedans qui n'est pas de la poudre, et on a rempli de poudre noire. Ce qui est quand même très violent parce que c'est pas du tout fait pour avoir autant de poudre. Et la poudre noire, faut savoir que ça s'enflamme très bien et que la majorité du résultat de combustion est solide. Contrairement à la poudre vive où quasiment tout fait du gaz, là il y a beaucoup de parties solides. Donc les pronostics possibles, pour moi il y a trois solutions. Soit ça part, ça monte pas assez en pression et en fait ça ferait quasiment rien, ce serait très dommage. Soit ça va faire un lance-flamme d'une violence phénoménale, soit le fusil va littéralement exploser. Donc il y a une solution qui serait un peu fade et deux solutions qui seraient très bien. Vous pariez sur quoi? Moi je pense au lance-flamme, tu vois. Je pense que ça va faire un lance-flamme. J'espère que ça va faire un lance-flamme. Quand tu veux. 3, 2, 1. Oh, il est où le flag? Il a encore utilisé ça. Moi je t'avais pas fait plusieurs. Le bruit que ça fait, j'aurais cru que le fusil allait exploser. Ouais aussi. Parce que mec, ça a vraiment tapé le long du godet. Ouais mais ça a quand même fait un bruit d'explosion. Ouais. Parce que attends, pour qu'il y ait autant de recul alors qu'il y avait littéralement pas de poids dans la cartouche. Il y avait zéro poids dans la cartouche, c'est la cartouche la plus légère. Il marche encore. Il marche encore. Mais mec. Il est incroyable. On lui a mis 50 000 barres dans le nez. Du coup, on va créer une surpression encore plus grande. On va prendre une cartouche de grenaille qu'on va mettre dans le fusil et on va tirer avec le fusil planté dans le sol jusque là. Ce qui fait qu'en fait, la pression, soit va s'échapper dans le sol, mais j'y crois pas trop, vu que le sol est un peu humide en plus, soit ça va sortir par ailleurs. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Faut savoir que c'est la première vidéo qu'on tourne de l'année et c'est déjà. Ça annonce une belle année. Peut-être que c'est la dernière parce qu'on sait pas ce qui va se passer. Qui c'est qui la tire? Aucune envie de la tirer. Je veux bien la tirer si tu veux. C'est Simon qui la tire? Ouais, vas-y. Attends. Non, vraiment bien se planquer. 1, 2, 3. Mais j'ai pas entendu tirer moi. Si j'ai entendu mais en fait ça a insonorisé le coup. Ça a insonorisé le coup de bruit en fait. Ça fait. J'ai entendu un boom sourd. Mais par contre c'est tellement costaud que l'action n'a rien. C'est que le canon qui a explosé. Ah maintenant il est choqué large hein. Là il est choqué large. Ah je peux pas le planter plus hein. Ah, vas-y on le plante au télesco. Vas-y au télesco ouais. Il va exploser le bordel. Hop. Qu'est-ce qu'on est en train de faire encore? C'est bon, mais lui, il fait ça comme ça, il prévient personne. Vas-y, 3, 2, 1. L'arme. 3, 2, attends, taisez-vous parce que vous pouvez m'entendre. 3, 2, 1. Ah ouais, toi, ça fait pareil. C'est vraiment sonorisé.
faut le sortir pour voir, hein. Tu pourras le remettre facilement. Attends, on va réussir à le sortir aujourd'hui. Ah il est là définitivement. Ah, ça a ragrandi le trou, quoi. Le petit verre de terre, là. Oh, il y a un verre de terre. On a chassé le verre de terre. Ça n'est pas explosé, hein, putain. Les fusils tout neufs qu'on aime bien, ils exploseraient de peur, mais sur celui-là, c'est de saloperie. Il explosera pas. Normalement, ça marche, là. Normalement, ça va péter, là. Ouais, c'est pour ça que c'est bien. Enfin, c'est bien. Pour ce qu'on veut faire. 3, 2. Mais attends, les vidéos, tu sais, où les mecs ils font exploser des 12, mais c'est vraiment la chambre qui pète, je sais pas ce qui se passe, hein. Je sais pas comment ils font ça. 3. 2, 1! Oh! J'ai senti la corde! La corde qui me lâche! La corde qui me lâche! J'ai senti! Il marche encore! C'est le bois qui fait chier. Bon, la croix, ça sert à rien, toi, je vois. Bon, allez. Bon, les gars, on s'est vaincu. On n'arrive pas à le niquer parce qu'en fait, il veut plus percuter. Donc, je pense qu'il est. Il est mort. Heureusement, quand même, vu tout ce qu'on lui a mis dans le nez. De toute façon, c'est un fusil qui va repartir chez l'armurier et qui sera détruit parce que là, il est inutilisable et il est devenu dangereux. Donc, ça sert à rien d'autre qu'à faire ce genre de conneries. Donc. Il sera neutralisé. Au niveau des tests qu'on a fait, donc premier test c'était la grenaille. Bon, évidemment la grenaille c'est fait pour, hein, c'est puissant. Et après il y a des choses qui ont marché, des choses qui ont moins bien marché. Je pense que ça a parfois mal marché parce que la cartouche ne montait pas assez en pression. Parce qu'en fait la charge de projectile n'était pas assez lourde, puisqu'en fait c'est prévu pour 28 grammes. Et il y a la majorité des charges, on était entre 15 grammes pour les plus lourdes et parfois peut-être 6 ou 7 grammes pour les plus légères. Donc c'était trop faible. La compote ça a rien fait. Ça fait une bouse de vache à Mach 2 dans la planche. Mais ça n'a pas fait de dégâts. Le saucisson a tapé un peu quand même. Le saucisson, le saucisse leg, marque déposée, vous ne pouvez pas l'utiliser, on a déposé le truc. Riz, blé, sel, c'était assez similaire. Avantage pour le blé quand même. Le blé, il tapassait plus fort. La cartouche de clou, c'est l'horreur. La cartouche de clou, c'est vraiment, c'est monstrueux. Ça a marché très très fort. Les croquettes, ça a quasiment rien fait. C'est une des cartouches les plus faibles qu'on a testées. La grève. La greffe c'est pas mal, en plus il y a des cartouches marquantes, donc ça c'est un bon point. Le verre, pas si puissant, mais très très mauvais parce qu'en fait tout ce qui est planté c'est coupant comme du rasoir, donc c'est vraiment pas très bon. Et les cailloux ça a bien marché, les cailloux franchement ça s'est bien planté. Je pense que si la charge de cailloux était plus importante, c'est encore plus de pression, et alors là ça ferait vraiment une vraie cartouche quoi. Donc c'est pas mal. Et on n'a pas vu les images de la dernière cartouche, on sait pas ce que ça a fait, donc on verra au montage. Comment c'était, mais vu le bruit que ça a fait, je pense que c'est assez visuel quand même. La planche elle est quand même bien brûlée. On voit bien que la poudre noire, la majorité de la combustion, elle est là. Non mais c'est sympa. Donc petit test scientifique, voilà. On espère que ça vous a plu et on se dit à la prochaine.